Yude mettre déjà 4 minutes de retard pour le premier stream de l'année sur la FTV Yude mettre. Mais ferme ta bouche, je viens de reprendre le stream, mais putain, mais on est en 2020, vous commencez déjà à me casser les couilles, bordel de merde, je vais tous vous ban. En gros, faut que je sors de la OE verte. Et là, je fais... Jean-Michel, non. J'ai pas arrivé à cliquer sur l'objet. Mais putain, mais le double tap, ça... Ta mère. Attends, attends. Oh, je me suis fait brin. Quoi? Mais non, mais putain, mais... Putain, j'ai dit que je fallait que je monte. Tout ce que vous voyez là, c'est les trucs du chat, quoi. Il y a l'arbre à chat du chat, il y a le hamac du chat qui lui est devant la fenêtre, il y a son petit hamac au soleil devant la fenêtre, et il y a la chaise du chat. C'est le seul truc qu'il a dans l'appartement. Bon, après, il y a le lit du chat, c'est le king size qui est à l'étage, mais ça, il a pas bien compris que normalement, c'était pas censé être le sien. Non, en vrai, il est déjà tombé en plus par cette fenêtre-là. En dessous, c'est la véranda de mes voisins. Le toit de la véranda de mes voisins donne sur leur chambre à coucher. Et j'ai ma voisine qui arrive un matin, je vais à 9h30 du mat, en robe de chambre, et qui me dit il y a ton chat chez moi. C'est-à-dire, bah, il y a ton chat, il a sauté dans mon lit, j'étais en train de dormir, il y a ton chat, il a sauté dans mon lit, il veut plus bouger. Ah. Moi, je pense que c'est une invitation, bien entendu. J'ai regardé tous les streams de You, je me suis dit une voisine qui arrive, etc., tout ça, qui me demande à récupérer mon chat dans son lit. Je me suis dit, bah non, en fait, il y avait vraiment mon chat dans son lit. Comme quoi, hein, la vraie vie, c'est pas ce qu'on voit sur Twitch. Hein. Je suis en doute avec moi-même en ce moment, donc je dirais Pepsi Max, ça sera. Comment t'appelles ta copine ou ton copain? Chaton. T'en as pas, merde. Comment t'appelles ta main droite? Chaton, tu peux m'appeler Chaton si tu veux. Alors, je veux bien t'appeler Chaton, c'est pour les gens qui nous écoutent, je suis pas sûr qu'ils vont. Bon, alors, Chaton, dis-moi. Je te mets au défi, appelle-moi Chaton toute la soirée. Hein, ça va être très bizarre. Ça va être très très bizarre. Je trouve ça vraiment génial qu'aujourd'hui on puisse sortir ces trois items et que ce soit vraiment un cost effectif. La scène, mais ouais, je jouais énervé là, putain. Non, ils se battent le record, ça, j'avais encore. C'est pas la bonne scène non plus. Oh oh oh! Formidable performance de Namax qui réussit à rentrer dans le top 10 des non-changements de scène. Bravo à lui! Contre Naga, tu veux? Sa vision est basée sur le mouvement. C'est une blague. Oh, oh la chatte. Non, ça va contre kill. Mais Crit, c'est un dieu. C'est un dieu, Crit. Ouais, il y a Kuroki qui est en train d'arriver. Ah, il est bien Kuroki. Allez, il faut Inuya. Non. La disruption, l'ulti, il est pas mort. Why don't you just fucking die already? Il est pas mort. Allez, l'arme de Toggle, vas-y mon grand. Faut pas paniquer, vas-y Wea. Allez petit. Just give up and die. Ouais, encore. On en veut, il est pas mort déjà. Oh, il fait le move. C'est un move important là dans cette 13ème minute de jeu. Wea qui arme Toggle. Wea qui n'est toujours pas mort, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Et il s'en sort. C'est mieux. Là il s'est fait voler que le skewer, il peut utiliser le RP de la part de RTZ mais il l'utilise toujours pas. C'est bon, le RP va finalement tomber. Mais Uris pendant ce temps là, bah on a focus, on focus. Viper. Ils ont focus du Viper. Mais pendant ce temps là t'avais un vrai Viper qui t'a massé. Mais c'est quoi ce... Si une mécabée un peu dans le vide, il se permet avec son refresher. Wow. Oh putain de merde. Oh vengeur. What the fuck, ils l'ont fait. Y'a personne qui sera en vie côté Team Liquid pour la défense en plus de, sur CT4. Il faut que l'IA et Boxy, allez Boxy qui va les mettre à bâche. Boxy qui a pris la prison de l'eau dépense en dessous, y'en a qui fait de la place. C'est Taiga qui a réussi à récupérer save avec le troll qui est focus du côté de Virtus Pro. 2000 PV, 2500 PV, 2000 PV, 1500 PV. Ouh, attention. Avec le bash, et puis les petits kids, et puis les petits kids, il est mort. Solo, le troll a 360 PV, 350 PV. Non. Oh, c'est pas vrai, mec. Vous avez rien vu. J'ai le cheese. Tu as le fromage. Oh, vous avez vu ce qui s'est passé? Sans même parler du rechargement, tu vois plus si le mec a lâché un rêve.
qui a dit si vous voulez je peux TP et qui à cet instant même est mid. Un disrupteur, ils étaient deux en bas, vous êtes morts à 1 vers 7 là. Oh bah oui, oh bah oui. Vas-y, je TP, je TP. Il a tu veux que je t'avoue un truc à toi et à tous les viewers devant la France entière là et le monde entier même? Oui. Pendant les vacances, ouais. J'ai plus joué à League of Legends qu'à Dota. Unacceptable! Bon, on va essayer de le tuer. Hein. Bon, s'y attendait tous un peu. Fais pas le Mario le mec! Mais fais pas le malin là! Comme ça là! Je t'enchaîne moi! Tu vois, c'est le problème des remnants. C'est genre, mec, je vois pas les charges. Parce que là, avec 5 charges, je le tue tous les jours. Le problème, c'est qu'on voit pas les charges. Tu peux le tuer, lui, hein, on est d'accord. Je sais pas. Bien sûr que je le tue. J'ai l'ulti pour en bas. Ah bah, c'est la merde. J'ai menti, je l'ai pas. 20 secondes. 20 secondes. J'ai menti. Qu'est-ce que je m'amuse sur Dota? Heureusement les gens sont gentils et jouent leur lane. Ouais ouais ouais. Et les Smurfs ils sont dans ma team. Et bah non ils sont en face. Je vais me faire défoncer. On est mort. Allez. Oh le crit. Oh. Incroyable. J'ai envie de tenter un long jump. Merde, j'ai ult. Oh, je fous le con. Oh bah. Je cliff les gars. Mais d'accord, mais il nous voit là. J'ai 1 milliard d'HP, j'en ai rien à foutre. Non, mais d'accord, mais toi oui, mais moi non. Putain. Et pourquoi tu restes là alors qu'ils ont une ward? J'avais pas pris mon ulti. J'avais oublié. Have a great trip home. We'll see you all again soon. Ouais. Putain, c'est fini trop vite. Attendez, on va rester. Parce qu'il y a peut-être l'annonce du prochain héros là. Restez. Il y aura peut-être l'annonce du prochain joueur de OG aussi. Hein. Ah, alors mais ça arrive, ça, c'est la prod, elle était pas excellente la prod, hein. C'est le flux qui a planté, il va peut-être revenir, hein. Il va revenir, vous inquiétez pas.